Hey, salut, c'est moi, The Rock, à nouveau. Et oui, vous m'avez souvent sur le dos en ce moment. Et je suis revenu pour vous représenter un jeu que je vous ai jamais fait voir, c'est Rampage. Quoi? Déjà fait? Ah, bon. Ok. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le remix du jeu. Car oui, vous vous souvenez de Rampage, ce vieux jeu d'arcade des années 86? Qui avait fait le bonheur des petites têtes blondes qui aimaient tout fracasser à trois sur une borne d'arcade. Et même, il faut savoir que 11 ans plus tard, en 1997, donc, il nous revient. Et il nous revient comment? Bah, pas qu'à moitié. Alors, oui. La 3D est passée par là. Car les mid-90s, c'était ça en jeu vidéo. Faire croire que le graphisme avait fait la révolution. En mettant des splits en 3D précalculés. C'était très fashion. Alors, c'est un choix discutable quand on sait que l'équipe qui avait fait le premier Rampage bah, avait fait, avec les moyens du bord, quelque chose d'assez miraculeux pour garder un côté comics absolument génial. Et que là, on se retrouve avec des trucs genre. Oui, c'est échappé de chez Nintendo, hein, sur une licence très connue que l'on ne citera pas. Avec un singe, oui, effectivement. Et toute ressemblance pourrait être fort voulue. Alors, je n'ai jamais fait ce damné jeu. On va donc regarder ensemble s'il vaut largement son prédécesseur, voire même s'il l'enrichit pour que ce soit extraordinaire comme expérience. Allons-y, allons-y, je n'y tiens plus. Insère de la monnaie. Je crois qu'on n'a pas le son, ça va être triste. Je vais être obligé de chanter. Si je suis obligé de chanter, ça va être marrant. Oui. Alors, les labos de merde, oui, bah, on va y aller, hein. On va intervenir, c'est pour ça qu'on est payé. C'est dommage que j'ai pas le son du jeu, par contre, je suis très très déçu. Salut! Alors, le jeu est beaucoup plus vif, ça c'est rigolo. Et il a plus de mouvement. Donc du coup, il est sympa. Maintenant, on va voir ce que ça vaut à l'escalade. Le bougre est vif, il est très vif. Une petite baignoire. Ça se refuse pas. Ah ben si, il fallait refuser, monsieur. M'énerve, ça m'énerve, ça. Qu'est-ce qu'il est speed en comparé de l'original? Alors, sortie des graphismes, qu'on aimera ou pas? Hein, ça, c'est une question de goût. Oui, ça pique. Bah. C'est pas un mal que le jeu soit devenu vachement plus speed, parce que c'est vrai qu'à l'époque, avec les moyens du bord, c'était peut-être un poil tendu de faire tourner ça. L'autre détail, c'est qu'on a un tableau qui est plus grand que ce qui est affiché sur l'écran, et ça fait tout de suite classe, quoi. Ça fallait pas le manger, monsieur. Mais non. Ça, oui. Alors, on n'a plus le fameux coup. Où tu glisses le long de l'immeuble en descendant. Et là, tu te fais un gros plaise, quoi. Mais on peut aller péter absolument tout chez n'importe qui. On n'aime pas trop les panneaux. Alors, on peut, apparemment, avancer dans le tableau où on veut. Ça, c'est marrant. Tiens. Je découvre en même temps que vous, je suis subjugué par la qualité intrinsèque de ce jeu. Ceci dit, on n'a pas le son, je suis très déçu, je suis sûr que les sons sont complètement couillons. Une vieille! Je veux la vieille! Elle était bien mûre. Café. Hop. Monsieur, merci. Hop, hop, hop. Tiens, 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 tiens. Ouh, ça fallait pas toucher. Alors, est-ce que le jeu est plus facile ou c'est moi? Là, je me pose la question. Tiens. À moi le poulet.
Ah là, on a du beau building, on a du très beau building. Il va falloir que j'expérimente ça de suite. Une glace. On refuse pas une glace. Je n'arriverai jamais à prendre cette glace. Et oui, le placement, c'est la moitié du secret du jeu. Huch! Oh, j'ai pas ton putain de building tout pourri que je vais déchiqueter. Voilà, ça c'est check. Un petit cochon! Alors, le jeu est plus facile, vous savez pourquoi les aminches? Parce qu'on se déplace vachement plus rapidement. Je sais pas si vous. Alors, regardez le stream précédent sur Rampage, l'original. Il se trouve que quand un élément se déplaçait, que ce soit un militaire ou n'importe quelle chose à l'écran, il allait beaucoup plus vite que nous. Or, dans cette version-là, eh ben, le pépère, je ne sais pas ce qu'il a pris comme stéroïde, mais apparemment, ça marche. Wouh! Il y a même de quoi faire du trampoline. Et du coup, oui, c'est beaucoup plus simple d'attraper les choses qu'il y a à bouffer pour se requinquer, puisqu'on court plus vite qu'elle. Regardez-moi ce groupe de. Ah, cette cabine téléphonique me paraît tout à fait croustillante. Nom, les news, c'est quoi? Oh, bah. Et le rappeur? J'aime pas les rappeurs, j'aime pas les punks, j'aime pas les mecs avec des cravates. Tu n'aimes personne? Oui, c'est ça, je n'aime personne. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Madame, madame, tu veux que je te sauve? Bouge pas. Regarde. Attends, j'arrive pas en dessus. Ça va mieux là? Attends, je descends te sauver. Comment ça? Mais j'avais pas fini. Oh là, la belle voiture. Rampage, ça marche toujours. C'est toujours aussi couillon, mais. C'est impossible de pas aimer ce jeu quand t'as 10 ans, quoi. Alors, vous me direz, il y a un truc bizarre. On est en 98 et je n'ai plus 10 ans. Oui, alors, oui, je le concède. Ceci dit, scientifiquement parlant, on n'a que l'âge qu'on a moralement. Je vais faire un coup de trampoline quand même, j'aime beaucoup. Ouh. Alors c'est dommage qu'on puisse pas attraper les. Ce gros immeuble me plaît beaucoup. Bouge pas, toi. Oh, il était pas bon, il était pas mûr. Les cactus, c'est pas super digeste. Alors, il y a un positionnement assez précis. Parce que si vous êtes entre deux étages, il va pas ramasser le bonus. Même si c'est un malus. Et oui, j'ai pas essayé cette nouvelle fonction. Qui me semble tout à fait. Comment ça, il est en train de faire quelque chose à l'immeuble? Oui, il le casse. Nous sommes bien d'accord. Regarde. Je t'aime, l'immeuble, je te casse. Ça, je mange pas. Ça, je mange pas. Ça, je mange. Une chaise. C'est bon, une chaise. C'est la première fois que je suis en gorille et que je fais des choses à des immeubles. Je suis très ému. Putain, regarde-moi cette prise. Hé, hey, les nazes, je suis là. Alors, comme pour le volet précédent, est-ce qu'il y a du fun? Oui. Pourquoi je ne l'exprime pas? Parce que il manque un détail pour le fun. Oh, les cathos, ça se défonce. Il manque un détail de taille. C'est les amis. Eh oui, ça fait partie des jeux que vous jouez à plusieurs. Parce que c'est beaucoup plus drôle. Parce que vous allez vous piquer les différents bonus pour survivre plus longtemps que votre voisin. Vous allez également. La blonde. Vive la France. Non. Non. Toi, tu m'emmerdes. Je n'arrive pas à me servir de mon trampoline. Et je ne m'en servirai jamais de toute manière, car j'étais très méchant. Oh la mairie! Madame la maire!
C'est ta fête. Je sens que ce tank va m'emmerder profondément. Je sens que la fin est proche. Les amis, la fin est proche, la mienne d'ailleurs. Et donc je disais, dans ce jeu l'important c'est les amis, parce que vous vous tirez la bourre pour ramasser des bonus. Vous vous tirez la bourre pour détruire tout ce qu'il y a sur l'écran. Et en fait, c'est un chaos total. Et là, on est dans le mode réussite totale du jeu, puisque qui dit chaos, dit jeu excellent. Du PQ, on a toujours besoin une fois qu'on a bien mangé, c'est important. Alors, Rampage, ce qu'on va faire, c'est pour la rentrée, je vous ferai un stream multi. Hein. On va se trouver deux autres petites victimes, genre on ne sait absolument pas qui, mais la team tous à poil se voit désigner deux fils, hein. Ça me semble évident. Ce SDF est excellent. Et on va se faire ça à 3, parce que je vous garantis que ce jeu, il est super rigolo. Moi, ça me laissera de temps de trouver une version qui a l'audio qui marche, ça peut être que plus drôle. Hey, une nouvelle phase. Alors, faut ramasser certaines choses, pas d'autres. Ça oui, ça non. Et je suis à Athènes. Une ville géniale où il y a des policiers, des cabines téléphoniques et... Des touristes, c'est important le touriste. Et un fakir, c'est important le fakir. Il m'emmerde cet hélico, il m'emmerde. Non, poison, non! Et oui, le monsieur en train de caguer, fallait pas. Hop là, un petit encas. Auberge de jeunesse, il y a des jeunes, c'est plus frais, c'est meilleur, il y a moins d'os. Enfin, les os sont moins solides, quoi. Non, prends pas le bouse. Un pervers, hop, table, il y a moins de vêtements, c'est meilleur, c'est plus digeste. Et donc je disais, la team tous à poil va y passer dans ce jeu, on va se le faire à 3. Parce qu'il mérite que ça. Et il nous fait rire. Regardez-moi ce carnage que je suis en train de faire. Il y a même un mec en jetpack. Tu crois, toi? Ah, je suis mort! Enfin, je retourne à ma forme d'origine. Donc voilà, c'était The Rock qui vous présentait 11 ans après le premier Rampage, ben Rampage World, qui réussit son office, mine de rien, puisque le jeu est toujours aussi marrant. Il s'est enrichi de 2-3 petites fonctions bien rigolotes. Il est super speed par rapport à l'original, ce qui est vraiment pas un mal. Par contre. Oui, ces graphismes, on aimait mieux ceux de l'original qui étaient vachement typés, quoi. Voilà, voilou. Bon, moi je vous donne rendez-vous pour un autre stream probablement à 19 h un jour, on ne sait pas lequel. Vous avez cette playlist pour calmer votre ennui et vous avez celle-là pour calmer votre appétit de boulette. La vie est pas géniale. Bisous, bisous, ciao. Ça s'entend que je pars sur un tapis volant là? Non? Ok. Moi je préfère.